regarder. On vient d'arriver à Monument de Vallée. Et du coup, avant d'arriver sur place, on devait aller au Forrest Gump Point, qui est le point où il s'arrête de courir pendant le film Forrest Gump. Et bah, encore une fois, il pleut. Voilà, ça fait 4 jours où on a des orages, où il pleut, et donc là, impossible de sortir de la voiture. De toute façon, on ne voit même pas les buts de Monument de Vallée. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'attendais énormément Monument de Vallée. On ne voit absolument rien, donc je suis un peu dégoûtée. Man, prépare ta carte, c'est écrit credit card only, no cash. Ah bon? Oui. À Monument. Oui. Sorry, what? Four. Ah ouais, d'accord. Tu pars personne? 32? Ça fait très mal. Il faut savoir que le prix de Monument Valley a augmenté, c'est 8$ par personne. Normalement, c'était 20$ par voiture. Oh, et du coup, là, on vient de s'apercevoir que c'était 8$ par personne. Donc, t'en as, là, vu qu'on est 4, 32$. Voilà. Et pas de cash et que carte de crédit, faut le savoir. Donc là, on vient d'arriver à The Cabin at the View. Ça fait 3 ans que j'attends de dormir à cet hôtel. On a dû réserver un an à l'avance pour pouvoir avoir les cabines. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte d'aller les voir. On a une vue de dingue. J'en prends plein les yeux, c'est incroyable. Incroyable, j'ai trop hâte d'aller voir la cabine. Je vous montre ça. Actuellement sur la terrasse de l'hôtel de The View. On vous montre la vue et l'hôtel en lui-même. Ça c'est la vue de la terrasse et du coup l'hôtel, quand on dort dans l'hôtel The View directement, ils sont ici. On a pris des cabines premium pour cet hôtel, donc on est légèrement plus proche et du coup on n'a rien autour, donc c'est extrêmement beau. Et on avait demandé, enfin on a pris des cabines du coup du premier rang, parce qu'il y a 2 rangs de cabines. On a pris celui du premier rang pour vraiment rien avoir devant nous. Parce que là du coup quand on est au niveau de l'hôtel là, on voit un peu un bout de la terrasse. Bon, y a une vue qui est déjà incroyable, mais c'est vrai qu'on a une vue assez parfaite au niveau des cabines. Voilà. Thank you.
même s'il n'y avait pas de lever de soleil, la vue est dingue. Hier soir, on a mangé face au but. Un orage est arrivé, donc grosse pluie. Du coup, les buts ont totalement disparu en fait derrière la brume. Hello. On est dans notre petit pick-up. C'est parti. On a réservé un tour du coup avec la Navarro Tour. Un tour 2h30, donc on a assez bien. On a le gros pick-up pour nous tout seul. On part avec Carole. Parce que comme c'est des pistes et non pas des routes, on a préféré ne pas prendre la voiture comme notre voiture n'était pas assurée sur les pistes. Ouais. Du coup, on a pris un guide. Et comme ça, on profite, on a accès à des endroits auxquels on n'a pas accès normalement si on n'a pas un guide. Donc voilà, je pense que ça va être chouette. Petit poney, $300 et une photo sur le petit poney au bout, on the point, $500. Donc du coup, on va pas le faire, hein, bien évidemment. Le soleil le matin il tape là-dessus, comme ça ils ouvrent la porte et c'est signe de bonne augure. Il y a le soleil qui rentre en fait à l'intérieur. C'est grand. Ah ouais, c'est grand quand même. So come on in, so you can see how it is built. Can you stand on that side so we can have the doorway to be open? Ah ouais, c'est quand même assez grand. Là, ah, c'est grand hein. Ouais, on dirait pas. Petit, mais... Ah, tiens, plus de lumière, Ah ouais, c'est profond. Il faisait là, parce qu'à mon avis, il faisait un feu. So, seven people can live in here, or more than that, but usually a woman and a daughter and a son that has a family, they would have their own hogan like this. Okay. So, the smoke hole right down here is the fire. So, the smoke will go out.
Tu tiens pas deux joueurs comme ça. Voilà, le monument de Valais sous la flotte. Il pleut bien. Petit conseil à monument de Valais, amenez le soleil. Vous n'êtes pas la même chose que moi. Ne mettez pas des baskets blanches. Monument de Valais s'achève. Le tour avec la guide Navarro était génialissime. On vous le conseille. Notre guide était trop gentil. C'était Carole. Petit clin d'œil à Carole. Donc non, vraiment génial le tour Navarro. C'est à faire. En plus, on peut aller plus loin, donc c'est plutôt sympa. Monument de Valais, incroyable. On a pris plein les yeux. Je retournerai quand même pour un petit lever de soleil, je pense, un jour dans ma vie. Et là, du coup, on va prendre la route pour se diriger vers Page. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. À bientôt.